Alors les BJs, prêts pour une autre partie de Dead in Vinland. La dernière fois, j'avais construit, c'est où que je vous montre? Ceci, une cabane de soins qui permet de mettre quelqu'un pour lui enlever des blessures ou des maladies ou les deux. Mais premièrement, obligatoirement, il faut y mettre à côté quelqu'un qui le soigne, donc ça utilise deux personnes qui sont monopolisées. Et celle qui soigne est déprimée du fait de soigner la personne qu'il soigne, donc c'est terrifiant. Et est-ce que j'avais fini? J'avais fini de fabriquer, je crois... Où c'est? Là, voilà, on voit juste ça, mais... J'avais fabriqué donc le camp de chasse qui permet d'aller... de prendre de la bouffe, parce que... Je commence à être... J'avais bien géré, mais j'étais en orange dans pas mal de mes caractéristiques. Elle l'est d'ailleurs, celle-là, la petite là. Et c'est... J'avais pendant toute la journée d'hier vraiment rien fait en termes d'exploration ou de construction parce qu'il fallait que je soigne, que je guérisse, que je repose un peu tout le monde. Elle est pas terrible. Elle est fatiguée, déprimée. Lui, il a faim et il est malade, elle a tout de toute façon. Il y a quelqu'un qui est un peu tranquille. Il y a quelqu'un qui est un peu tranquille et comme je viens de finir... elle, en plus, je crois qu'elle est... Regardez, hop. Elle est forte justement en guérison. Et c'est la seule qui est un peu verte partout. Donc, là, pour le coup, je pense que ça vaut le coup parce que le père... Oh, j'aurais pu le mettre là, mais j'ai pas de... Il faut ça, là, la plante, pour guérir, mais je n'en ai pas. Ce qui est très mauvais. Donc, je peux pas le guérir, ça sert à rien. Donc, il va falloir que je construise plus tard, je pense, un truc qui est là. Qui permet de cultiver des plantes par un personnage. C'est ça ma prochaine construction, je pense. Mais je vais pas la faire maintenant. Je le mets en file d'attente pour après. Mais dans 4 jours, une fois que je finis la journée, parce que je vais devoir finir la journée, il en restera 3. Il faut que j'ai 30 de bois, donc faut pas que je construise tout de suite. Donc... L'eau potable est pleine de toute façon, en plus il pleut sa mère, donc pas besoin de mettre quelqu'un ici. Le séchoir, vu qu'il pleut, ça sert à rien. Elle, je vais continuer à la mettre, de toute façon je suis con, là c'est la fin de la soirée, donc autant finir la journée. Allez, c'est parti. Que pensez-vous de Dame Tomoe? Son passé pèse lourd sur ses épaules. J'essaie d'en savoir plus, mais elle baisse difficilement sa garde. Elle semble de confiance, digne de confiance. Elle a un grand sens de la justice. Et les yeux bridés. Je l'imagine mal nous causer du tort. Ah là, j'ai cru, j'ai eu peur. Elle donne des leçons sur comment leurs guerriers s'entraînaient. Ah voilà, merci, un peu d'amour. Je n'aime pas trop ce que j'entends. Oh là là. T'inquiète pas, maman, c'est tout pourri. Je verrai pas le bout d'une épée avant qu'elle m'ait rempli la tête avec son baratin théorique. Elle est très attachée à son code d'honneur. C'est quelque chose de très important pour elle. C'est quand même bizarre, elle suit vraiment ses enseignements comme si c'était gravé dans son cœur. Un peu comme un prêtre zélé. Je me demande si tout le monde est comme ça d'où elle vient. Je sais pas pourquoi, mais elle a pas l'air de m'apprécier. Bon, on peut pas plaire à tout le monde. Peut-être quelque chose que tu aurais dit? Je ne pense pas, non, je sais pas. Mais du moment qu'elle bosse dur, je m'en contrefiche. On va pouvoir les chasser maintenant. Nous avons fabriqué un bon arc. Ouais. Calme-toi. Tu sais bien que tu as besoin de flèches aussi, n'est-ce pas? Ouais, c'est chiant. Par chance, j'ai fabriqué... Qu'est-ce que t'as? Par chance, j'ai fabriqué quelques-unes des flèches que... Quand j'avais un peu de temps libre, tiens. Ok. Waouh, trop cool, pas. On ira chasser ensemble demain, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, on ira, mais fais attention, tu ne dois gaspiller aucune flèche, nous n'en avons pas beaucoup. Nous devons en faire de nouvelles. Nous avons besoin de bois et d'une extrémité en fer afin qu'elle soit de bonne qualité. Nous pouvons faire ça à la forge. Oui, nous pouvons également construire des pièges. C'est très utile et moins dangereux que la chasse. Pff, t'y connais rien à la chasse, man. Des pièges, c'est trop nul. Écoute ta mère, jeune fille. Les pièges sont des outils précieux si tu veux de la nourriture dans ton assiette chaque soir.
N'oublie pas que si nous chassons, c'est avant tout pour nous nourrir. Ce n'est pas un plaisir. Oui, pas. Tu devrais témoigner plus de respect à la vie des animaux. Ils sont comme nous, piégés dans cette vie. Ils ressentent la douleur tout comme nous. Donc, nous ne les tuons que par nécessité. Tu dois les respecter et ne tuer que pour manger, comme ils le font. Oui, pas. Je sais, désolé. Mais c'est quand même plus marrant que de cuisiner ou de nettoyer le sol. Alors, 8 sur 14, la développation du camp. Voilà, soyez déprimés, espèce d'enculé. Alors, bon, le feu baisse très peu, c'est bien. Oh là là, la faim qui augmente comme une tarée. Bon, l'eau, c'est bon, on est comme il faut. Déshydrater 1, je vais vous faire ça. Déshydrater 2, comme d'hab. Clac. Lui, il a pas perdu. Elle a tout perdu, c'est bon. Elle aussi. Bon, il n'y a que lui qui a déshydraté 1, c'est pas grave. La faim, on va faire ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est minable. Ils sont tous encore dans l'orange, bien haut enfin. Vivement que je puisse, au prochain jour, cueillir des animaux. Ils sont déprimés comme des fiottes. Allez, baisse-moi cette fatigue. Il y en a qu'une qui est pas bien en fatigue. Oh, et le feu baisse plus que ce que j'aurais cru. Je vois pas pourquoi, mais bon. Ah, je crois qu'en fait, il y avait... ça c'est la baisse naturelle du feu, et avant il y avait la baisse à cause de la pluie. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre la seule qui est fatiguée pour la faire dormir. Je vais essayer de prendre deux personnes qui sont déprimées les plus. Eux, ils s'aiment pas, donc je vais les mettre là. Eau potable. Eau non potable pleine. Voilà, le feu est à fond. J'ai plus que 15 de bois. Elle avait à prendre un point de talent. Alors, moins de diminution de faim, mais elle gagne moins dans les... Elle gagne moins quoi? Dans les compétences d'endurance qui sont là. Ah, c'est con parce que c'est là où elle est forte, donc non. Bien meilleure en extraction, elle est déjà forte en extraction, donc ça c'est un bon truc, c'est un bon choix. Plus 25% aux compétences de concentration qui sont là, mais à part la chasse, elle est pas top, donc non. Plus 5 en esquive pour les combats, c'est peu, mais c'est bien. Et toujours en combat, plus de vie, plus d'esquive, mais moins de dégâts max. Non, je vais lui rajouter de l'extraction, sans hésitation. Chasse, vérifier les pièges. Est-ce qu'il faut que je mette quelqu'un à la chasse? Ouais. Vérifie les pièges. Placer un piège. Je n'ai pas de piège. Il me faut quoi? Il me faut du piège plus un appât. C'est ça? Waouh. Le bon trappeur vérifie toujours, tous les jours. Il y a 30% de chance d'attraper un animal, 55% qu'il se passe rien, 15% qu'on nous vole l'appât. Waouh. Mais on peut carrément toujours récupérer le piège, ou pas, à 25%. Donc, à l'atelier, ben en fait... Comment on construit un piège maintenant? Ah, j'ai que deux trucs pas construits, non, trois avec la forge, l'herbossa, 5, marmite, herboriste. Mais là, moi, je voulais fabriquer des pièges, comment on fait? Camp de chasse, c'est quoi ça? Permet l'activité pour deux personnages, plus de viande crue obtenue. Moins de blessures en chassant, moins de chances d'être blessé en chassant. Alors ça veut dire qu'on a moins de chances d'être blessé, et que si on est blessé, on a moins 25% de blessures. Ok. Augmente les chances d'attraper quelque chose avec les pièges de 10%. Et les pièges ont désormais 85% de chances d'être réutilisables. Ça c'est très très bien, mais ça me permet pas de savoir... Comment
Ça, je peux pas parce que j'ai pas. Gna. De toute façon, faut pas que j'utilise mon bois. Mais comment on construit les pièges dans ce truc? Élevage, jardinage. La forge, je sais pas, on verra bien. Herboriste, je devrais le faire très très rapidement. Parce qu'il me faut. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, des plantes pour me soigner la tente de soins. La marmite permet de faire de la bouffe plus nourrissante, je pense. Et pour l'instant, comment on fait des pièges? C'est pas toi que je voulais voir. Camp de chasse. Je peux pas fabriquer de pièges, c'est fou ça. Il me faut déjà de la zone crue. Mais non, il me faut pour placer un piège, il me faut un piège. Mais comment je place un piège, moi? Grande question là, je suis pas très content. Est-ce que t'es bon en extraction? Parce que pour le coup. En foresterie par contre, pardon. Elle a que 19, parce que là il me faut du bois hein, pour dans 3 jours. L'eau, on est bien, j'ai pas envie de te mettre à l'eau toi. Je vais te mettre en fruits parce qu'il faut absolument qu'on ait de la bouffe et je suis très déçu par rapport au truc de chasse là. C'est assez bizarre hein, de pas pouvoir créer des pièges. Ah, la dépression, je peux augmenter la baisse de dépression. 25, 36. Là, ils perdent au moins 25 jusqu'à 40. Là, ils perdent au moins 40. Là, ça suffit là, de mettre le mode détente. Je reviens dessus, mais... Il n'y a pas la possibilité de construire des pièges là. Le père il avait parlé de construire des pièges. Ah mais il avait pas dit à l'atelier, il avait dit à la forge. Oh les cons. Et voilà ce qu'on peut construire à la forge, c'est des pièges. Putain, je suis dégoûté. Sauf qu'il me faut, bon, une de pierre c'est pas grave, mais il faut 10 de bois. Donc c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Je vais passer cette journée à ce moment-là, qui est nulle part. Elle va récolter du bois. Eux deux, ils vont boire. Elle et elle. Non, elle et elle. Elle est dans la zone de repos, c'est pas ça qu'il faut. Ah si, ouais, voilà, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça devient compliqué. Fatigue enlevée. Dépression enlevée, s'il vous plaît. Merci. Zéro. Lui, il lui en reste un petit peu. Il lui en reste pas mal, quand même. Hein. Prendre des fruits, parce que vous allez avoir que ça pour survivre, hein, les gars. Faudrait que je réexplore pour avoir un peu de bois, quand même. Hein. À part ça, là, il n'y a pas d'autre moyen d'en avoir. Plus 3, c'est minable, en plus. Bien. Alors, fatigué. Qui est fatigué? La petite est fatiguée, tu restes là, donc il n'y a pas d'exploration pour aujourd'hui. Et déprimée, il y a la fille et elle. Mais tiens, en plus, elles s'entendent pas trop. Bah la fille, tu te reposeras un autre jour, je suis désolé, mais t'as trop de choses à gérer. Le père, à part maladie et faim, il a rien, donc... Mais j'ai pas assez de bois, je peux pas me permettre de le mettre là. Le père, il va être mis à faire du bois. Ça sert à rien de chasser. L'eau, on en a pas mal. D'ailleurs, un petit coup d'eau. Et même deux. Et même trois, ce qui me permet de refaire un coup de feu. Et tout est à fond, quasi. Elle, je vais la mettre... Est-ce qu'elle est bien en... Est-ce que t'es valable en exploration, toi? Elle a que 22. Elle a que 22, mais de toute façon... Ouais, faut qu'elle soit sur la furtivité, hein, je vais te mettre là.
Allez, suivant. Il faut absolument que je découvre soit un autre personnage, soit que je ramasse du bois quelque part, donc... Non J'ai mis... Grosse erreur, voilà. J'avais pas... la chinoise, elle était pas fatiguée, elle était dans un lit à dormir. Donc elle fait rien, au lieu de ramasser des fruits. Voilà. Grosse perte, ce que je viens de faire. En plus, j'ai pas de bouffe, donc c'est vraiment une mauvaise manœuvre. Dans le cul. Je l'ai bien dans le cul. Je suis dégoûté. Bon, la découverte de la forêt à 30%, mais il y a une confrontation. Allez, tant qu'on y est. Espérons qu'on récupère du bois et des bandages au moins. Donc, parmi ceux qui sont le moins blessés... Bon, ils sont pas blessés tous, ça va. Lui, parce que lui, je l'avais bien augmenté. Elle est toujours efficace en combat et elle est pas blessée. Donc voilà, c'est bon. Oh, il y a un gros, et merde. Alors elle, bah, direct, tu vas te buffer, hein, je commence à être habitué. Et alors, cible, résistance aux dégâts moins 1, résistance aux critiques moins 1. Sur n'importe quelle rangée. Toi, je veux te débuffer. Voilà, je peux plus rien faire de bien. Donc je vais reculer et finir mon tour pour elle. La magicienne. Ça, il faut l'utiliser que sur la ligne arrière. Ça, moins d'esquive et moins de points d'action sur la cible. Au hasard. Ah non, sur toutes les cibles. Génial, ça c'est un bon debuff. Très bon debuff. Ah, alors ça me déplace à l'arrière et ça fait mal. Sur un ennemi au hasard. Ok, 3, c'est très bien. Et recule. Ah, bon, le mec il va jouer en dernier, pas grave. Allez, tape le mec. Oh yes, il a juste buffé, il a rien fait d'autre. Lui il va me débuffer. Perds ton temps, vas-y, perds ton temps. Ils avancent tous. Pas plus mal, on s'en fout. Yes, c'est pas sur ce tour-là qu'ils vont me faire mal. Ok. Ça a plus de précision et de critique. Critique plus 7%, c'est pas mal quand même. Alors le coup qui fait plus mal, c'est quoi? Entre 2 et 3, 3, 4... 2, 8. Mais ça me débuff. Donc ça, sur lui, 4, très bon coup. Et j'ai plus de points d'action. Mais ça reprend à elle. Le coup qui fait le plus mal. 2, 3, 1, 4. Allez, 2, 3. Sur tous les ennemis, non? Ah si, 2 à chacun. C'est génial, le truc. Bon, ça fait beaucoup de points d'action. Résistance aux dégâts, moins 1. Je vais débuffer lui parce qu'il a plein de points de vie. Avec mes points d'action restants. Maintenant, elle, est-ce qu'elle a un coup qui fait mal, bien mal? 2-3. 2-3, au hasard? Oula. Attendez, d'abord ça. Sur la cible, plus de dégâts. Max. Ah, je vais buffer. Voilà, les deux d'avant. Je vais les buffer, c'est un très bon buff ça. Et maintenant je vais faire mal. Et si possible, on sait pas sur qui ça tombe. Sur lui, 3 critiques. C'est très très bien. Bon, malheureusement maintenant c'est le tour des ennemis. Mais je pense que ça va être le seul tour où ils vont pouvoir attaquer. Oh, bière triplement fermentée. Oh, il recule cet enfoiré. Et il se buff. Donc il fait que du buff, il attaque pas. Ah mince, il attaque la fille. Il fait un bon coup en plus, ça va être blessé un peu à la fin je pense. Ah, débuff-moi. Aïe, il va me faire mal. Yes, il m'a raté. Applaudissements. Petit débuff. Tape-le-lui, c'est pas grave. En plus, tu me rates. Minable. À moi. Tu t'es pris pour qui? Et lui, en plus, là, il a... dégâts max plus 2. C'est magnifique. 2, 5, 3, 6. 3, 6. Ce coup, je le comprends pas, je le ferai jamais. Il n'y a que 70% de précision, 0% de coup critique. Ah, mais c'est tous les ennemis sur la ligne de mêlée. Raté, je déteste, j'ai envie de pleurer.
Et j'ai plus de coups, j'ai plus de points d'action. Ah ! Je l'ai tenté. Mais voyez comme quoi la précision qui est minable, bah, ça fait que j'ai raté mon coup, tout simplement. Là je fais 1 à 7, là je fais 1 à 5. Je vais le taper lui au cas où. Voilà, parce que je voulais l'achever en fait. Et j'ai réussi. Résistance aux dégâts. Ouais, je les débuff carrément. Ouais, je le double débuff. Non, j'ai que ça comme coup. Allez, je vais le finir lui. Ah, de toute façon, c'était au hasard, mais l'ordinateur a choisi lui quand même. Et lui, il a toujours dégâts max. Non, il a qu'un seul petit buff. Je vais lui remettre dégâts max. Enfin, AO2 d'ailleurs. Pour le prochain tour, avant de finir l'ennemi. Alors, le pillard, qu'est-ce que tu veux faire? Oh non, arrête de taper elle, c'est chiant. Ah oui, c'est qu'un debuff, c'est bon. Ah, oh, mais il la tape quand même. 3, aïe, waouh, elle prend cher sur ce coup-là, elle. Pas content. Raté? Je m'en fous, je te refais le même coup, mec. Hein. Tu vas le prendre dans ta gueule. Voilà, critique 8, mais tu crois à quoi? Ah, le seul truc, c'est que la petite, elle a pris 21 de blessures. Mais j'ai plus 3 en bois, c'est très bien. C'est bien pour tout. Hein. J'ai un peu de bouffe, même si c'est de la bouffe pourrie. Une corde, ok. La bière. Ouf. La blessure pour la petite, c'est très mauvais. Très, très mauvais. Là, de toute façon, j'ai aucun choix que de finir la journée. Hein. Voilà. Moira, je voulais te dire que t'admires votre connaissance de plantes et remèdes. Impressionnant. Admire, admiration. Merci Tomoe, c'est bon d'être apprécié pour quelque chose qui m'a fait tant souffrir dans le passé. Comment t'as? Mes connaissances sur les sujets que peu de personnes comprennent m'ont fait passer pour une espèce de sorcière démoniaque. J'ai vécu quelques situations compliquées jusqu'au point où ma maison est partie en fumée. Comme par magie. Je vois, les roturiers peuvent se montrer très stupides quant aux choses qu'ils ne comprennent pas. Dans ma cour, vous auriez été traité avec le plus grand respect. Ha! Alors je boirais la fabuleuse vie que j'aurais jamais. Merci Tomoe. Je me sens totalement abattu maintenant. Ne m'excuse Moira, je voulais pas. Ha! Vous êtes trop facile à embrouiller, vous offusquez pas à chaque fois que j'ouvre la bouche, je pense pas la moitié de ce que je dis. Je n'aime pas prendre les gentilles âmes pour des idiotes, ça me fait me sentir un peu mal. Parfois. D'accord, il fait de la journée. Oh la faim, j'ai envie de me cacher. Oh la faim de fou. Bon, pour le coup, ils sont que déshydratés 1. Ce qui me permet d'en dépenser un minimum et donc de pas me... Oh, elle a rien. Et bien, tout le monde perd le déshydraté, ça c'est un bon point. La bouffe, j'ai rien, ils sont tous dans le caca le plus complet. Donc déjà, les deux rouges obligatoirement. Suivi. Del qui est à 49. Lui et elle qui sont à 46. Elle qui est à 45. Et on enchaîne sur elle qui est à 45. Et elle à 40. Ben encore elle. À 43. Et ça reste très haut dans l'orange. On perd un peu de dépression apparemment. Alors, en tout cas elle. La fatigue baisse. Oh, ils sont tous à zéro, donc ils sont pas fatigués, apparemment. Il y a Moira qui a 20 quand même. La fin, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on est là? Quelqu'un est fatigué? Non. Il y a que elle qui est un peu fatiguée, mais bon. Des dépressifs, il y en a plus, à part un peu le père, mais tant pis. C'est pas très grave, je vais continuer le bois avec le père peut-être. Ouais, je vais continuer le bois avec le père. Parce qu'il m'en faut bien plus que ça.
La petite, elle est mal, enfin, en blessure, et en voir s'il y a des objets qui peuvent lui aider à faire quelque chose. Oh, fin 4. Qui c'est qui a le plus haut? Le père, je le descends en dessous. Oh, ça monte la dépression. Merci de m'avoir prévenu. Putain, je suis con. Elle, je la baisse aussi. 43, ouais, mais elle est trop haute en dépression. 40. Ouais, je fais un peu ce que je peux. Moins 5, enfin. Qui c'est qui a le plus haut, enfin? Toi, voilà. C'est minable. Chance, trait de blessure, personne n'en a. Moins 5 en fatigue, il n'y en a qu'une qui est gravement fatiguée. C'est toi. Qui est déprimé? Toi, t'as 20 quand même. Toi, t'as 28, mais ça augmente la maladie. Non, pas forcément la maladie. J'essaye, je tente le coup. Allez, c'est parti. Yes. Très bien, ça lui a enlevé sa dépression sans lui donner de maladie. C'est un bon coup que je viens de jouer. Très bien pour les objets. Alors, la petite, vu que de toute façon, voilà, elle va aller se concentrer sur l'exploration. Et je vais même dire que je vais me focaliser sur l'exploration à donf, quitte à me battre, c'est pas grave. Putain, ouais, mais ouais, on verra, je prends le risque, c'est pas grave. Là, ils me disent, oh, attention, tu mets quelqu'un qui est pas fatigué, donc ça sert à rien, les paves, on s'en fout. Elles ont plus besoin. L'eau, est-ce qu'on a besoin d'en ramasser? Je suis pas sûr. Sécher de la nourriture, on a rien. D'ailleurs, est-ce qu'on doit réparer des trucs? Voilà, on va pas y aller plus que ça. Le bois, j'en ai 23. En deux jours, il m'en faut 30. Je pense que je peux y arriver. L'abri, vérifier l'état, ça veut dire quoi? Population du camp, il m'en manque un, 5 sur 6, faudrait vraiment que je trouve le dernier. Je sais pas si j'ai pris du retard. Les fruits, il me faut absolument quelqu'un. Toi. Je vais essayer de remettre la petite à la chasse parce que c'est horrible, j'ai pas de piège, je suis, donc c'est vraiment ça, faut vraiment le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un aux fruits? Donc ouais, elle. Je peux toujours mettre la mer à l'eau. Et Moira à l'excavation. Voilà, je peux pas faire beaucoup mieux sur ce coup-là. Oh, gavé d'eau croupie qu'elle ramasse. 5 fruits frais, ouais, c'est bon, c'est normal sans plus. Pour survivre, je suis pas sûr qu'on survivra la prochaine nuit enfin, mais bon. Plus 6 de bois, très bien, on est quasiment à 30. Elle ramasse des trucs qui me serviront pour plus tard, je l'imagine. Oh, elle est plus d'empathie, putain, c'est fou. Et de la dépression, waouh. Ouais, c'est pris cher. Toi, si tu finis ta zone, merci. Waouh, elle a carrément avancé dans la prochaine. Waouh, ça fait du bien. Et un combat, je m'en doutais. Et elle est forcément prise dedans. Parmi les moins blessés. Je remets le père parce qu'il est très efficace. Et elle parce qu'elle fait partie des moins blessés. Alors, toujours elle qui commence, toujours elle qui buff. Et ça, aux cibles, résistance aux dégâts, moins 1. Si c'est la ligne de mêlée, esquive moins 15%. Donc allez, on va en prendre un au hasard, que je gaffe des buffs. Et je vais la mettre à l'arrière. Et j'arrête le tour. Maintenant, on va s'en prendre plein la gueule. Mais ils vont buffer, je pense. Quoique non, ils tapent 2 direct. Alors, ça y est, ils ont déjà enlevé son bouclier. Lui, il va reculer en me débuffant, je pense. Et en me tapant. Oh, la folie. Lui, il revient, on comprend pas pourquoi. Il ravance, il se buff.
Lui, voilà, il va faire sa super bière magnifique pour buffer son gars, son mec, là. Et il va me débuffer quelqu'un. Ah non, c'est, il se buff lui-même. Voilà, maintenant, merci à moi. Alors... Voilà, là, je buff... Moi et la gamine. Et je fais un coup vers l'avant sur lui. Tac, 6, énorme, c'est magnifique, superbe coup. Qui me fait avancer. Il a résisté au debuff. Et je peux plus rien faire, donc j'attends. Allez. L'asiatique. Si je pouvais faire 3 de dégâts sur lui, ça me ferait plaisir. Ça, ça me déplace à l'avant, j'y suis déjà. Ça fait 1, 3 de dégâts. 2, 4. 1, 8, 2, 4. 65%, c'est minable en précision. 85% ça. Ça donne plus de précision et de critique sur tous les mecs sur la rangée actuelle, dont moi. Voilà, maintenant je peux faire ce coup-là. Je pense. Bon, je suis obligé de le tuer. J'ai eu de grandes chances de faire des coups critiques. Voilà, donc j'ai fait un coup critique et il est plus là. Très bon coup. Hop, fin du tour. Et maintenant c'est re à la petite. Je vais essayer de tuer lui parce que lui, il est, c'est juste un buffer, on dirait. Enfin, il buff très tout le temps. Donc, de toute façon, là, ça touche tout le monde dans la rangée de derrière. C'est un très bon coup. Elle est déjà buffée avec plus 15 et plus... Ça se cumule pas, je pense. Non, je me suis pas fait celui-là, là, tiens. Ou en tout cas, il est parti. Voilà, j'ai un double buff maintenant. Voilà, j'ai plein de buffs. Ça, ça enlève la résistance aux dégâts. Et au coup critique, est-ce qu'il l'a déjà, lui? Non, il l'a pas. Mais ça m'enlèvera 2 points d'action, est-ce que je pourrais toujours faire ça? Non. Donc je vais faire ça. Ouais, 0 et 2, c'est minable. J'aurais tenté. Allez, c'est à eux. Mais je pense que ça va être leur dernier vrai tour. Pas grave, 2 de bouclier. Voilà, ils le rebuffent comme un enfoiros. C'est bizarre, et tous les buffs dans ce jeu ne durent qu'un tour en fait. En même temps, comme ça, il n'y a pas à gérer tellement. Ah, moi, j'ai quoi? Là, j'ai qu'un debuff. Donc, il faut que je rebuffe tous les gens de la rangée actuelle, c'est-à-dire tout ça. Et toi, je vais te tuer le plus rapidement possible. Donc, 2-5, 3-6, c'est un coup que j'aime bien. Ah, c'est tous les ennemis sur la même rangée, c'est vraiment ce coup-là qui est le plus fort. Deux, c'est de la merde. C'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Tomoe, elle a plus aucun buff. Allez hop, je rebuffe tout le monde. Et mon coup le plus fort, c'est... 2, 4, 1, 8, 2, 4. 1, bien sûr, bien entendu, je te crois. Applaudissements. J'ai bien envie de faire ça, tiens, parce que je veux vraiment enlever des points de vie. 0. Toi, tu es très efficace, je te déteste. Samouraï de pacotille. Oh, c'est elle direct, génial. Elle a plus de buff du tout. Ah, ça part direct, t'es obligé de dépenser des points d'action direct, en fait. 1. Wow, je fais des coups minables, là. Ça m'énerve. Et tu recules en me tapant et en me débuffant. Et lui, bien sûr, il fait 3, bien entendu. Et j'ai la moitié de mes points de vie qui me reste. Putain, il est super efficace, ce gars. Il a combien de points d'action? Bon, lui, il buff en permanence. C'est tout ce qu'il fait, à peu près. C'est maintenant ou jamais, j'ai plus de buff du tout. Faut vraiment que je m'augmente à chaque fois, ce buff il est trop important. Trois, enfin. Enfin. Si Tomoe se foire pas, je devrais faire quelque chose de pas mal. Putain, mais c'est chiant, c'est horrible. Oh non, putain. Là, vraiment, j'ai entre ce tour-là et le dernier...
Ah yes, c'est elle encore. Ah, je te tue direct, toi. Non, je suis rien à battre, merci. Voilà, là on peut se parler, là. Merde. Elle, je vais faire fin du tour, comme ça elle aura beaucoup de points d'action au prochain coup. Toi, je sais pas qui tu vas buffer, mais t'es obligé de me débuffer ou de me taper, et tu rates. Ce qui est très bon. Ouf, fin du combat, merci. Raté, doublement raté. Vous avez vu la précision? Je suis même pas débuffé, précision des coups, 45% de chance de toucher, 50%, il n'y a que lui qui est à 65%. C'est vraiment son point faible à lui. Lui, si un jour il y a une possibilité d'augmenter sa précision, faut que je le fasse. J'en ai peut-être déjà raté même. Donc 2-5 ou 3-6. Il n'y a pas photo. 6. Très très bon. Donc je vais prendre le truc qui a le plus de précision et ça reste ça. Mais j'ai raté, c'est logique. Tomoe, t'as intérêt à pas taper, merci. Oh, pour, ouais, tu fais un coup critique quand il reste plus qu'un point de vie, hein, mec. Ouais, super, bravo. Elle a 17 de blessure et une mâchoire cassée. Mais on a plus d'en bois, très bon. On a un peu de nourriture, on a... Une outre en cuir, c'est du matériau, d'accord. On a un petit peu de nourriture, on va survivre à la journée, peut-être. Voilà. Avant de continuer plus avant, je vais mettre fin à la vidéo sur ces bonnes paroles. Vous souhaitez une bonne journée, vous demandez expressément de mettre un pouce bleu absolument, sauf si vous ne supportez pas. Mais surtout, comme vous le savez, comme je le répète en permanence, et comme le dirait la grande Wendy Moira MacTaggert, ce qui ne veut rien dire, c'est juste... On s'en fout. Ne grandissez pas, jamais, c'est une arnaque.